La CAN 2015 débutera-t-elle à la date prévue? La Confédération africaine de football n'envisage pas décaler la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 17 janvier au 8 février à cause d'Ebola, malgré la demande du Maroc, pays organisateur. Les discussions sur le sujet sont prévues pour le 2 novembre seulement. Du côté des autorités marocaines, on affirme que cette décision de reporter la compétition est irréversible, prétendant que la santé des personnes passe avant tout. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Ouzine, a affirmé dans différentes déclarations à la presse locale et mondiale que son pays maintient sa demande légitime, ajoutant que ce n'est là ni une lubie ni une improvisation marocaine, mais plutôt des craintes de la part de l'Organisation mondiale de la santé et du ministère de la santé. Même sans cette demande marocaine, le tournoi est déjà menacé par l'extension de l'épidémie ainsi que la psychose qui s'installe. Et il est donc fort possible, dans le cas du maintien de ces dates initiales, que le public réagira négativement par rapport à cet événement, chose qui se ressentira sur la qualité de l'organisation de cette CAN.